Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Ça dépend de quel endroit que vous êtes en train de nous écouter ce soir, comme vous le savez déjà. Vous savez, mon nom est David Sirai, un serviteur de Dieu, un pasteur qui prêche l'évangile de la grâce. Eh bien, c'est une occasion favorable à soya pour nous saluer tout un chacun à travers le monde, plus particulièrement toutes les mamans. Eh bien, je dis à son jour pour honorer, mais n'a profité à nous c'est ça que c'est pas seulement jodia pour nous honorer maman yo, mais honorer yo chaque jour. Parce que yo réellement important dans la vie nous comme des enfants. Donc, nous souhaiter et yon bienvenue à chaque bien-aimé qui branché à cette heure pour une édition réellement toute particulière pour justement annoncer la parole de Dieu, la parole faite chair. Nous saluer toute radio qui branche nous à travers monde là, plus particulièrement et la radio La Foi Apostolique dans Brooklyn. Nous saluer PDG Radio Roi, le bien-aimé frère Patrice Saint-Just. Son plaisir pour nous saluer, mon ami. Donc, nous brancher, nous espérer que tout auditeur, tout auditrice qui a habitude pour y attendre, notamment l'édition Hébreux 13:8, yon salutation spéciale dans le plus grand nom de notre Créateur. Ou qu'on nomme déjà le nom officiel de notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand nom à travers de l'humanité, le nom qui donne la vie éternelle. Merci, nous saluer, amis qui t'étaient aptes, branchés, qui leur édition Hébreux 13:8 a dans l'air. Nous saluer yo et nous espérer que nous va passer quelques bonnes minutes ensemble, justement pour la plus grande gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous saluer bien-aimé frère Jean-Ernst Gédéon, notre ami à nous. Donc, une salutation spéciale. Nous saluer et bien-aimé Neg Proveble. Donc, c'est Libreché, nous espérer que n'ap voyé vidéo à bay zanmiyo pour yo capable coûter. Donc nous saluer zanmi qui Saint-Domingue, plus particulièrement et pasteur Sébien et Kajuste. Nos salutations à toute assemblée li, nous saluer le frère et des frères qui du côté de Chili, ça qui dans Canada, ça yo qui de la France, nous saluer plus particulièrement classe 3 qui c'est promotion académique et 1995 et des hommes qui a grandi
qui prend promotion dans la police nationale. Yon salutation spéciale à toutes amis policiers sa yo, plus particulièrement classe 3. Nous saluer et toutes amis qui prend édition Hébreu 13:8 pour yo utiliser radio yo gen là-dedans yo que nous pas connaît mais qui a fait du bon travail qui a passé message ça c'est qui c'est message de la délivrance message de la grâce message qui ba espérance là donc nous contents de ce que travail ça y a fait nous saluer Fort Myers n'a saluer un grand homme qui dans Fort Myers c'est bien-aimé notre frère Oscar Esme. Une salutation spéciale à vous, mon frère. Donc, nous branchons et nous souhaitons tout auditeur, auditrice, vous branchez, yon di lot et édition Hébreu 13:8, lit dans l'air, justement pour nous capables porter lumière côté qui gagne ténèbres. Donc c'est raison et enseignement de la parole, c'est porter lumière côté qui gagne ténèbres. Maintenant nous saluer Malaika Darlene Jean qui a à peine branché. Et bien, une salutation spéciale. Donc, nous connaissons que nous pas bien temps fin saluer toutes amis et individuellement, mais nous sûr, depuis le Seigneur permet qu'on capable brancher sur l'édition Hébreu 13:8. Donc, c'est pas un hasard. Et il n'y a pas d'hasard en Christ, il n'y a pas d'hasard en Dieu. Donc, c'était planifié pour que vous soyez avec nous ce soir. Donc, amis, auditeurs, auditrices et les spectateurs, nous pral démarrer. Nous pral démarrer, nous gagnons sujet qui tout neuf et qui à peine décacheté, nous espérer ou décacheté là avec nous, suivre nous de près. Pratiquement, tout est dimanche dernier, nous t'es annoncé yon enseignement qui fait la une de l'actualité. Et côté un pile amis a posé question. Et yon pour que j'entende l'évangile ça, gagne qui dit li t'es nan nan myo, mais yon pas capable d'exprimer li. Donc, n'a dit ou c'est qu'on s'al toujours yé. Yon révélation toujours paraît neuve dans cœur surtout et élu yo, électé dès avant la fondation du monde yo. Donc pas oublier que en passant ou même qui absuive nous non pas seulement sur Facebook mais nous sur YouTube seulement taper David Sirai et pour joindre en pile vidéo déjà préparée, déjà élaborée dans la Bible. Donc des sujets que qui est capable aider ou comprendre très bien la Bible. Nous saluer la famille Louko, une famille qui fait partie de Bord qui pour mettre nous en ligne, qui pour permettre plusieurs stations, non, sur YouTube, sur Facebook, capable de jouer une vidéo, ça. C'est, il fait partie administration et programme, ça. Eh bien, que les seigneurs capables bénir. Mais, non. Nous traiter au sujet, il y aurait le salut est collectif.
moi dit ou déjà l'hypoté en pile l'a coulé concernant de sujet ça. Pourquoi? Parce que majorité bien-aimée depuis 2000 ans après disciples yo fin quitté la terre, yo passé de l'autre bord. Donc bon, l'évangile qui prêchait différemment de l'évangile et Christ est quitté dans mes disciples, t'es quitté dans mes prophètes, yo. Je dis à le monde, vine tête en bas, chaque monde choisi pour yo prêcher propre l'évangile, yo. Mais l'État réellement inadmissible pour yon créateur, le créateur de l'humanité, quitter yon l'ordre, li bay yon ordre qui doit établi à travers toute la terre. Eh bien, pour créature, comprendre, choisi pour yon faire propre travail pa yon, l'État réellement inadmissible. Comme le Seigneur, lui-même, n'a pas jamais perdu puissance, n'a pas jamais perdu autorité. Ça veut dire l'évangile a toujours été l'évangile. Seulement, il y a des hommes et des femmes qui réellement et portaient des altérations qui en dans l'évangile là, qui est falsifié en pile dans l'évangile là. Gros messieurs yo, qui des porté gros noms comme prophète, comme apôtre, comme pasteur et latrier, qui ce sont des hommes, qui ce sont des autoproclamés, eh bien, yo d'accord yo même, fait yon loté l'évangile là et y a vendi nan godet nan bon créole là y a vendi nan godet et bien gon masse peuple qui dans l'égarement qui pas comprendre et monsieur ça yo dit y a mené yo nan ciel et yo même dit même n'a mené nan ciel ou a gen pour passer 7 ans nan ciel ça. Et ensuite, il a retourné avec vous, il a venu déposer dans pays derrière vous, dans en Moyen-Orient, à Jérusalem, pour faire 1000 ans. Donc, son paquet méli-mélo, mais l'église tombée dans ténèbres. Donc, jodia, il y a des assemblées pas capables ou éclair. Nous saluons la sœur Bernadette Mathurin. Ah, très bien. Salutations spéciales. Merci bien. Donc, c'est tout ça. Mais à soya, n'a prêté dans dimension salut. Nous rappelons, semaine dernière, nous t'ai annoncé que c'est pour nous focus sur famille, yo. C'est pour nous focus sur la famille. Pourquoi? Parce que la famille gagne une grande considération aux yeux de Dieu. Nous encourager chef spirituel foyer, yo, pour yo prendre responsabilité, yo. Pour yo faire vrai l'évangile, pas l'évangile formaliste, pas l'évangile cap loté tout côté dans New York, dans Brooklyn New York, partout à travers le monde, l'évangile a loté, mais pas grand rien en réalité de sérieux. Même le web, gros mega church, chers téléspectateurs, ces mouvements qu'a fait, pas gagné une réalité
Eh bien, assoyez le temps pour nous chercher réalité. Réalité a li là, réalité a li existé. Si réalité a existé, eh bien, il est important de chercher la vraie réalité, la réalité de l'évangile. Nous t'ai parlé que salut à son connexion, salut à son chaîne. Dieu n'a pas sauvé yon gren moun. Le salut n'est pas personnel. Même Jean, dans toute assemblée dénominationnelle qu'on arrivait, yon prêché yon seul l'évangile. Le salut est personnel. L'évangile, ça, c'est l'évangile qui sortit dans Babylone la Grande, qui s'est passé, qui pas un vrai évangile, qui sortit dans système la mère des prostituées. La mère des prostituées, gayon reine, gayon mère, et puis tout ratio, et qui soi-disant, qui a fait l'évangile, c'est petite mère des prostituées, ça. Donc, toute religion qui basée sur, sur yon forme ou bien yon prophète établi quelconque ou bien qui vient avec yon doctrine. Donc, ce sont des assemblées. Ce sont des assemblées qui c'est petite la mère des prostituées, sous quelle que soit forme l'été. Donc, nous voulons aider et toutes amies qui sous Facebook, qui sous YouTube, qui sous réseaux sociaux, nous voulons aider comprendre la réalité. Parce que Dieu toujours gagne yon faiblesse que le mettait dans le cœur amour de l'évangile, amour de la parole, que Dieu pas permettre yo vendre l'évangile là. Dieu pas permettre yo pour yo capable et dit n'importe quoi. Nous dit que nous parler que ou pas capable sauver tête tout. Ou pas capable tête ou salut éternel. Voyons. Donc gon l'évangile que en pile faux prophète Venakio et tel que prophète Arminius Jacobus, donc qui venait à l'évangile le libre arbitre, yo faut croire ou gen libre choix, ou gen doit choisir pour servir bon Dieu ou gen doit pas choisir. Donc c'est Dieu qui décide. Sous on pas servi bon Dieu, c'est Dieu qui faut pas servi bon Dieu. Il pas vle ou nan royaume ça. Ça veut dire religion pas dou ça. C'est Dieu même qui endurci cœur, qui jetait yon endurcissement sous cœur pour pas servir. Pas gen de choix pour me servir bon Dieu. De pour ou aveuglé ou pas servir bon Dieu, ça veut dire Dieu aveuglé ou d'une manière ou d'une autre pour pas servir. Et yon moyen pour pas sauver. C'est pour nous dire clair. C'est pour nous dire sous ou servir bon Dieu, c'est Dieu permet tout servir droit. C'est pas propre et faux pas. C'est pour la religion qu'on est ça que c'est pas effort qui permet ou servir le Seigneur. Jamais et au plus grand jamais. Eh bien, à soya, sujet n'a tiré toujours dans
le salut collectif, n'a tiré un petit tas en dans le salut collectif. Ou même qui t'a remis qu'on est plus sur le salut collectif, il y a des vidéos qui s'ouvrent Facebook. Donc, au capable, qui donc, au capable, toujours t'en déo, en pile vidéo sur Facebook, en pile vidéo sur YouTube. Mais ton sujet à soya, on prend comme ça. L'apôtre Judas Iscariote trouve-t-il son salut ou non? Rappelez-vous, c'est lui qui livrait notre Seigneur Jésus-Christ au sacrificateur, au principal sacrificateur. Donc c'était mission l'apôtre Judas. Judas c'était un apôtre. Bon, la religion dit l'apôtre Judas pas sauvé. Il est justement campé, il a fait une déclaration et tout le monde croit. Eh bien, à soya, nous pral vérifier la Bible. Et nous pral essayer balancer entre péché Judas et péché Paul, qui est ce qui est plus gros. Si, ou dit, ou a marché avec le Seigneur, ou même, ou fait partie du salut collectif, Dieu va au salut éternel. Donc, nous pouvons regarder pourquoi Dieu pas bail l'apôtre Judas. Un apôtre, c'était un apôtre. Pourquoi il n'a pas gagné salut éternel? On va voir ensemble, mais juste avant. Disposons dans quelques minutes pour nous capables parler avec le Seigneur dans quelques secondes. Père éternel, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, nous adorer omniprésent sous parce que, ou partout, ou à travers nous, comme un mystère pour dévoiler nous la vérité. Merci Seigneur. On a la vie, tout un chacun à travers le monde, ou autour de yo, ou c'est bon Dieu hier là, ou c'est bon Dieu jodia, ou c'est bon Dieu éternellement. Bon Dieu, ça qui n'a pas l'air, pas une ombre de variation. Il n'est pas capable de changer. Ça te dit. Dans l'éternité, eh bien, c'est ça le dit Jodia. Ça le te dit Jodia, c'est ça la continue dit éternellement. Dieu ça qui n'a pas servi, li pas ban menti. Li pas mette nous dans confusion, vrai Dieu. La mette nous dans la réalité. Et tout ça le dit, gen yon seul réponse pour lui, c'est Amen. Parole, c'est la vérité. Père, touchez et bénis chaque auditeur, auditrice, chaque téléspectateur à travers le monde. Rends-nous puissants à travers ta parole. Père, nous prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons aller au texte. Nous allons au texte pour nous constater est-ce que Judas t'a trouvé salut ou bien non. Parce que toute assemblée qu'on a passé au mandé, il a dit oh, Judas, ça n'en l'en fait. C'est comme quoi la religion t'a créé en l'enfer. Yo gen propre l'enfer pa yo pou yo voye moun.
Et puis, vous intimidez, vous avez moyen pour intimider le peuple avec question l'enfer. Vous avez moyen pour intimider le peuple avec question diable. L'homme peur. L'homme est à marcher dans la psychose de peur. La peur fait l'homme fait tout, n'importe bagaille. Si vous avez besoin pour un bagaille, non, mais l'homme fait le peur. Vous comprenez? Fait le peur. Et puis, depuis le peu, ça que nous avons appris facile. Et bien, c'est ça la religion fait. Eh bien, nous gardons ensemble avec moi dans Évangile de Jean, chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6. Le verset 60 jusqu'à la fin. Jean chapitre 6 verset 60 et n'apprend jusqu'à 71. Suive-moi avec un pile attention parce que sous pas suivre parce que n'a pas annoncé yon l'évangile là pour annoncer Jésus-Christ est notre Père éternel. Merci et nèg proverbe là. C'est ça. Donc, c'est ça, édition Hébreux 13:8, annoncé. Maintenant, entre-temps, est-ce que l'apôtre Judas trouve-t-il son salut ou non? Verset 60. Plusieurs de ses disciples, l'ayant entendu dire deux points. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Mais Jésus, sachant en lui-même, il est omniscient, que ses disciples murmuraient de cela. Leur dit, ceci vous scandalise-t-il? L'évangile Jésus-Christ, te kon prêché yo vini avec révélation et parfois les pote confusion. Eh bien, le disciple yo tende enseignement sa yo, eh bien, yo di met la, parole sa yo dur en pile. C'est ça yo di pour édition Hébreux 13:8. Parole sa yo étrange, c'est ça yo di pour Hébreux 13:8. Yo di met la, mais qui est-ce qui a gen pour écouter parole sa yo en babouchou? Ça, c'est question disciple, un pile disciple qui t'apprend enseignement. Non, mais le Seigneur Jésus-Christ posait Jésus. Il a questionné l'évangile, la disciple. Mais Jésus-Christ, puisque il est Dieu, il est notre Créateur, notre Père éternel, li connaît penser yo, li penser yo. Pas oublier édition Hébreux 13:8, prônez que seul Dieu, seulement le Seigneur Jésus-Christ comme le seul vrai Dieu et comme notre Père éternel, comme l'Esprit Saint. Donc, li penser yo. Eh bien, Jésus-Christ dit yo, mais parole s'assemblée à scandaliser nous. Verset 62. Et Jésus-Christ dit, que sera-ce donc si vous voyez le Fils, l'expression humaine, s'élever où? Côté le théâtre. Où il était auparavant. Pas oublier.
paroles ça yo, ce sont des paroles célèbres que Jésus-Christ a prôné, a proclamé, parce que yo connaît que personnage là prend naissance à Bethléem, yo connaît qui est qui maman, yo connaît qui est papa adoptif. Mais il déclarait, et si nous aimons comme le Fils de l'homme, qui signifie l'expression humaine, ça élevé à l'écoute qu'elle auparavant. Ça signifie que le Seigneur Jésus-Christ, c'était l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, le Père. Le Père, c'était l'Esprit manifesté dans la chair qui portait le nom officiel, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tout fils du royaume, fille du royaume, ils comprennent l'évangile, ça. Verset 63. Jésus-Christ dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Il dit, disciple, c'est l'Esprit qui édifie. C'est l'Esprit qui transcende. Il dit, deuxième partie verset A, la chair, gon problème, parce que ça fait ne pas comprendre réalité. Ça m'a dit, yo, il dit, c'est la chair, oui, mais écoutez, la chair ne sert de rien. Enveloppe là, il cause problème. Or, il dit, yo, les paroles que je vous dis, paroles, ça y est, cap sorti en damnant. Parole, ça y est, c'est l'esprit, hein, et c'est la vie éternelle. Mais par contre, n'a pas annoncé à tous téléspectateurs, téléspectatrices à travers le monde, parole, ça y est, cap sorti en damnant, là. Parole ça yo qui m'a proclamé à travers YouTube, Facebook. Yo c'est l'esprit a et yo c'est la vie éternelle. Verset 62. Jésus-Christ continuait proclamer, déclarer l'évangile. Les dix disciples avait dire la parler avec des hommes qui des hommes avisés, des hommes et des femmes avisés. C'est pas même des hommes qui pas avisés, qui pas connaît, c'est des hommes qui chita au pied du maître pour en prendre enseignement. Mais Jésus-Christ dit dans le verset 62, écoutez, mais il y en a parmi vous qui ne croit point. Ça veut dire que les gens qui ont écouté 13-8, un groupe qui a cru, un autre groupe qui n'a pas cru. Et de vous pas cru, ou pas dans la liste salut. Ça veut dire l'évangile besoin d'un travail qui exerçait à travers l'esprit que Dieu mettait dans roi, ça veut dire c'est confiance dans la parole là, la foi, mettez la foi dans la parole là. Donc, Jésus-Christ dit, il y en a parmi vous qui ne croient point. Et Jésus-Christ qui est notre Dieu, Jésus-Christ qui est notre Père éternel, Jésus-Christ
qui relait auparavant YHWH, Jésus-Christ qui relait Elohim, c'est lui-même qui portait toute entité, toute désignation, ça y est. Donc, il dit car il savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Ça veut dire depuis dans l'éternité. Commencement, ça l'a parlé depuis dans l'éternité. Côté pas gagné jour, mois, année. L'éternité, c'est pas yon côté ou capable de contrôler. Je vous savais dire, c'est vivre éternellement. Donc, Jésus-Christ dit, depuis dans l'éternité, l'icône, gagne un groupe qui pape jamais croire. Et deuxième partie, y a, depuis dans l'éternité, il savait celui qui le trahirait. Il parlait à deux groupes moun. Il parlait à deux parties de monde. Première partie, il y a un groupe qui pape jamais croit. Deuxième partie, il y a, c'est un message, li voyait, li annoncer, gagnon parmi apôtres, qui pral jouer un rôle très important, qui pral gagner pour trahir Seigneur. Mais, c'est un rôle qui planifié. C'est un rôle qui prédestiné. C'est pour un hasard. N'a pas avancé. Verset 65. Jean chapitre 6, verset 65. Il disait, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Ça veut dire moun qui pouvine à moi maintenant, moun qui pouvine à parole là, c'est pour l'esprit à réclamer. C'est pour l'esprit à embrasser. C'est pour l'esprit à choisir. Il dit dans Jean 6, 44, il dit dans Jean 6, 65. Maintenant, le Jésus-Christ fin dit ça. La Bible dit dans le verset 66. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Yo met koyo de yo, yo vide les lieux. Et yo décidé pas marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Non, ça c'est vrai l'église là. Vrai l'église là, côté bon vrai l'église, toujours des triages qui fait dans l'église là. Parce que parole là c'est l'esprit et vie la trier si la yo qui électé qui gen mandat pour faire route là. Yo vrai l'église faut toujours des moun cap quitter praler parce que la fait triage l'esprit saint en dans l'église parce que l'esprit saint pas mêlé à saleté l'esprit saint pas mêlé à malpropreté l'esprit saint pas mêlé à mensonge l'esprit saint lit attribué seulement à la vérité. Ça veut dire, yon vraie église, faut la, l'esprit c'est toujours propre l'église là. La propre assemblée, hein, sous ta fond coup d'œil, non, somme premier. Il est dit, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ça veut dire,
l'Esprit Saint doit propre assemblée pour pas gen moun cap calé péché en dedans, pour pas gen moun cap fait mal propreté en dedans. De temps à autre faut diagnostiquer l'église là. Saint-Esprit c'est l'ourim toumim, c'est moyen pour passer l'église là. Non appareil y aurait les l'ourim toumim qui c'est lumière de la parole. Ça veut dire moun qui pas propre en d'assemblée a pas carité dans assemblée ça. C'est pour cœur propre. C'est pour marcher avec sincérité. Lors de marcher avec sincérité, ça veut dire pour reconnaître faiblesse. Et puis, de jour en jour, commencer à changer. L'Esprit Saint a porté changement et pour reconnaître faiblesse, et pour avancer. C'est comme un petit monde qui prend naissance et puis chaque jour, il y a un bagage qui fait dans la vie. De temps en temps. De temps à autre. Li pa ka yon ti moun ki kata. Non, faut ti moun nan progresse. C'est l'église ça. Faut l'église la progresse de temps à autre. L'esprit se nou assemblé. De pou l'esprit se nou assemblé. Le assemblé. Alors, faut l'gon vrai pasteur. Yon pasteur, yon gardien que Dieu placé comme gardien. C'est pas mercenaire, non? Non, c'est pas mercenaire. Il y a un vrai pasteur qui respecte les normes que la Bible mandait, que la parole, l'inspiration de la parole mandait à partir de cette date. Donc, l'église là, officialisée par l'Esprit Saint, de jour en jour, l'Esprit Saint nettoyer l'église. Quand on au côté, on assemble, méga church, il y a presque 3, 2, combien, presque millions de monde, on assemble, et puis tout le monde chita, qu'elle propose, l'église a toujours en paix, etc. Non, c'est pas l'église ça où vous marchez. Non, c'est pas la paix ça qu'on besoin. C'est pas la paix. C'est côté lui on les ont assemblé l'esprit s'est nettoyé l'a nettoyé l'a moun pralé moun a venu moun pralé c'est comme ça l'église l'a tayé. Jodi a pasteur mercenaire yo comprendre l'église la stable yo gen 10 ans à un groupe de moun y a prend en main yo. Il y a coupé cou moun yo, etc. C'est l'église. Non, vraie l'église Christ qui te a, l'église là pas jamais stable. Non, gon travail qu'a fait en dedans. C'est bon commerce lié le pas qu'a stable, l'esprit s'est nettoyé. C'est soir laisser l'esprit s'est nettoyé l'église là. Nettoyer cœur et puis vous faire partie assemblée. Mais automatiquement la parole a prêché, donc ou doit bouleverser. C'est soit marcher selon la parole ou bien quitter l'assemblée. La Bible dit, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Ce sont des justes qui doivent faire partie l'assemblée. En avance. Maintenant, disciples ont parti dans disciples, ont retiré tête, ils ont dit, ils ne peuvent pas marcher. Parce que parole, ça y est, trop dur, ils ne peuvent pas écouter parole là. Parole là, c'est yon, son lavement, li nettoyer en dedans. C'est comme si ou prend yon lavement pour nettoyer en dedans, pour propre en dedans. C'est sa parole là, yé. Côté de la parole, l'église a dû être d'accord avec la parole pour le marcher de la sainteté, pour le marcher de la vérité. Maintenant, groupe ça allait. Pas oublier le sujet, est-ce que Judas, l'apôtre Judas, t'es recevoir le salut. Donc, nous entendons des yoa, il y a pile monde qui dit, Judas pas sauvé, nous pral garder. Pendant y aller, Jésus-Christ constatait qu'il y a 12 dans
disciples yo rete, 12 apôtres, 12 disciples yo rete. Mais dans 12 là, Judas te la donne. Rete 12, Judas fait partie des 12. Maintenant, Jésus dit aux, Jésus-Christ dit aux 12, il parlait à 12 là. Ça veut dire il parle à Judas tout. Il parle à Judas. Il dit yo et vous, verset 68. Verset 67. Et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller? Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ testait les 12. Et après Tesla, yo pral recevoir yo mission. Maintenant, le testé yo, eh bien, Simon Pierre rempli de l'esprit. Et souvent, les gens yon groupe qui connectaient, les yon parlaient, c'est tout qui parlait. Dans la spiritualité, c'est nous tout qui parlait, ça veut dire, la Bible reconnaît un seul langage, un seul sentiment, un seul amour qui partageait entre nous. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui moun pour ta faire route là? Et puis Simon Pierre dit, tu as les paroles, en quelque sorte, tu as les révélations. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire, l'Esprit Saint permet, saisit Pierre, il saisit les 12, Judas la donne. Et il mandé le Seigneur Jésus-Christ à qui est-ce pour nous faire route là si nous pas avec vous parce que pas gagné la parole, les paroles de la vie éternelle nulle part, pas gagné dans la religion, les paroles de la vie éternelle pas gagné dans baptiste, pas gagné dans adventiste, pas gagné dans témoin Jéhovah, pas gagné dans aucun tissu, pas gagné. Les paroles de la vie éternelle, lis seulement en le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est comment m'a gagné pour me prendre parole ça à l'intérieur de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse Simon Pierre fin parler ainsi. Écoutez dans le verset 69. Pierre dit, et nous avons cru. L'elle dit nous avons cru, ça veut dire, Pierre lui dit, moi et les autres, nous avons cru. Ça veut dire, Judas te croit. Moi et les autres, nous avons connu que tu es le Christ. Ça veut dire Judas connaît clairement que le Seigneur Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils, le Dieu unique. Ça veut dire Judas connaît clairement Jésus-Christ est notre Père éternel, le vivant. Ça veut dire Pierre déclarait, il dit, moi et les autres apôtres, moi et les autres disciples, nous avons connu et nous avons cru au passé. Pour qui ça l'Esprit Saint utilisait le passé? Il utilisait le passé pour l'identifier. Enseignement ça, Pierre révélé, hein?
li sorti depuis dans l'éternité. Parole ça qui écrit dans Bible là, ce sont des paroles d'esprit de vie oyé. Yo paroles d'esprit ou pas ka wèl ou pas ka touchil. Eh bien nous comme créatures qui manifestent dans la chair, n'ayons tant dans l'éternité, nous t'es des esprits. Ça veut dire c'est esprit. Donc c'est le nous vini sur la terre. Nous vini prend forme moun. Nous identifier matérialiser en moun. Donc mais tout moun qui a marché sur la terre avant yo té esprit. Avant yo té rentrer dans matrice maman yo ou bien yo té dans rein papa yo. Avant ça yo té dans l'éternité comme esprit. Ça va? On avance. Maintenant, l'homme pas vienne prendre plaisir sur la terre tel que bamboché. Ça la donne tout. Mais cependant, yon a mission que l'homme gagne sous la terre. Yo vin nan mission pour yo identifier le Seigneur Jésus-Christ comme notre Père éternel. Ça veut dire Dieu voulait demander à l'homme parce que l'homme te vin fait une maladie ou relé l'amnésie spirituelle. Vous connaissez ça que l'amnésie spirituelle? Amnésie spirituelle, ça veut dire Dieu fait passer une côté, il y aurait les jardins d'Éden, et puis il tend un piège pour l'homme. Dieu tend un piège pour l'homme et l'homme prend un piège là. Et à partir de piège là, Dieu va développer une série de caractéristiques à travers comme sauveur, comme Père éternel, comme monde qui vient et comme protecteur et latrier. Donc c'est à cause de faiblesse ça que Dieu vient de toute désignation ça yo pour l'homme reconnaître il est le seul vrai créateur de l'humanité et pour l'homme mettre confiance dans lui. C'est pour l'homme croire dans lui. Quel que soit l'homme à travers le monde, blanc, noir, quel que soit jaune, couleur là, Dieu voulait pour l'homme mettre confiance dans lui et dans lui seul. Donc, par contre, Pierre reconnaît le Seigneur Jésus-Christ et accompagner les 11, yo connaît qui est le Seigneur Jésus-Christ là. Ça veut dire Judas te la donne. Verset 70. Maintenant, Pierre fin fait déclaration. Jésus répond yo. Jésus leur représente les 12. Ça veut dire Judas la donne, Jésus leur répondit. Ça veut dire Judas la donne. Jésus-Christ posait une question et demandait yo, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous 12. Judas la donne. Ça veut dire depuis Jésus qui choisit ou c'est Dieu lié, il pas qu'a perdu ou. Parce que c'est Dieu qui bail salut éternel. Les dieux sauvés, aucun pasteur pas qu'a voyé dans l'enfer. Ou met dit anathème dans le nom de Jésus-Christ. Aucun bishop mercenaire à travers le monde, aucun pape, aucun cardinal pas qu'a voyé en enfer. Et puis tout, pas gain l'enfer pour élu.
m'a reprendre pas gain l'enfer pour moun que Dieu électé. Alléluia, gloire à ton nom Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pas gain l'enfer. Non. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jamais. L'aurait Jésus-Christ réclamé ou les bons saluts. Rien, aucun vent sous la terre pas capable de retirer salut. C'est Frère David qui a annoncé le sou. Yon média. Média qui c'est Facebook là. Plus grand média du monde. Il y a deux grands médias à travers le monde, YouTube et Facebook. C'est un moyen pour Dieu annoncer l'évangile à travers le monde. Et quand m'a parlé là, le monde a écouté, quelle que soit la langue que vous parlez, parce que, quelle que soit l'anglais, il a traduit. Donc, la Bible dit, Jésus leur répondit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12. Qui ça? Pour 12 yeux, t'as répondu. C'est pour dire, oui, Seigneur, c'est vous qui nous avez choisi. Amen. C'est toi qui nous as choisi. Amen. Parce que Jésus-Christ est Dieu, il n'est pas capable de mentir. Depuis, c'est Dieu qui choisit ou pas quitter aucun pasteur, tête en bas, radoté, vindi ou perdu, pour qu'il prenne ça. C'est pour qu'il prenne tout son possédé. Non seulement, yo yuzu sous ses femmes, dans l'église et religion, yo yuzu mesdames yo. Yuzu yo. Depuis, son mesdames qui gagne poste dans l'église protestant. C'est hypothéqué, l'hypothéqué, col, ville. De quoi elle gagne poste? Parce que c'est pas vérité. C'est hypothéqué, yo connaît l'homme remet, et devant, l'homme remet, pour yo parler de lui, l'homme remet ça. Donc, yo hypothéqué vie. Ça veut dire, la religion fait un pile méchanceté. La religion fait un pile méchanceté à travers le monde, ça. Si t'as un bagay pour détruire à travers le monde, là, c'est la religion. La religion. Maintenant, puisque Jésus-Christ dit, c'est moi qui choisis nous, et bien Jésus-Christ pral rentrer dans mission qui pral gagner pour Judas faire. Judas mission ça le faire, li nan plan bon Dieu pour le faire. Mission ça, Jésus-Christ dit après il dit c'est moi qui choisis nous. Ça veut dire c'est moi qui sauve nous. C'est moi qui bat nous la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. Et bien, elle dit, l'un de vous est de l'adversité humaine. Ça veut dire, l'un de vous est un démon. Chers téléspectateurs, là, la Bible parle de démons, diables. C'est pas pareil pour peur. La Bible, c'est la bonne nouvelle. C'est Mounio. Mercenaire yo qui prend parole là le devil, li font peur. Mais tout ça dans la Bible, c'est pour grandir foi ou c'est pour grandir ou dans la foi. Chers téléspectateurs. Si c'est parce que Jésus-Christ dit l'un de vous est un démon, il parlait avec Judas Iscariote, il parlait avec apôtre là. Il dit apôtre ça c'est lui-même qui pral trahir là, mais écoutez, mais si Judas pas sauvé, Pierre pas sauvé tout. On nous allons l'autre texte pour nous montrer pour ça. Matthieu chapitre 16, ou à écouter édition Hébreux 13:8.
nous saluer parole via tout le monde qui branché sur parole via. On regarde. Eh bien, si c'est peut-être ça, Pierre va sauver tout. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 21. Écoutez ça, Jésus-Christ dit. Démon avec diable, c'est la même chose. La Bible dit. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Matthieu chapitre 16, verset 21. Qu'il souffle, Jésus-Christ a expliqué au sale pral passé, qui n'a plan bon Dieu, qui n'a plan le même. Il dit qu'il souffre beaucoup de la part des anciens. Premier groupe moun, il pral souffrir de la part des anciens. Un, de la part des principaux sacrificateurs. Deux, de la part des scribes. Trois groupes moun, qu'il soit mis à mort. Et qu'il ressuscite le troisième jour. Il parle avec disciples bien. Il dit, il pral souffri. Et moun sa ou pral touyel. Et la réconforte disciples pour le dire, nous pas besoin peur. M'a mouri et m'a levé. Alléluia. Alléluia. Écoutez l'église là. Écoutez vraie l'église là. Donc, m'a mouri. C'est premier personnage, c'est Dieu lié, qui mourit et qui levé. Il aime parler de la mort, là, qu'on l'aime, m'a fait une étude sur la mort, ça. De l'on pense la mort, ça, c'est même Jean l'a mourir, ou même. C'est bon Dieu, oui. Jésus-Christ, c'est bon Dieu, oui. Entre parenthèses, si Jésus-Christ a mouru, une seconde, le monde éliminé, oui. Religion reprend nous. Bon, c'est le bon Dieu pour le mourir. Ou t'as pensé le mourir même j'avais. Non, oui. N'a pas allé sous son l'autre là. Mais non, les dix disciples l'ont ressuscité le 13e jour. Pierre perdu la foi. Il est tellement que cœur sensible. Sensibilité pour mettre là. Ou qu'on est ses amis, li, c'est lui qui a pensé, il, l'offre habitué avec enseignant, ou comprenne, c'est normal pour nous remettre l'amour. Mais, amour, ça, Pierre va l'utiliser. Yon amour, qui pas vrai amour, là. Il va l'utiliser, yon, la charnalité. Affection, ça, pas yon vrai affection. Il remet mettre là. Mais affection ça pas dans la réalité et selon la chair. Pierre l'ayant pris à part et se mit à le reprendre pour l'exhorter mettre là et pour le dire mettre là à Dieu ne plaise. Par quoi bon Dieu prend plaisir pour aller mourir pour aller bay nèg batou. Trois groupes moun pour aller mettre fait complot pour batou. Ça veut dire il gagne pitié pour mettre là. Mais pitié a il y a des gens qui ont pitié pour eux-mêmes. Donc, pitié, ça n'a pas, ils ont pitié. Cap mène dans la vie éternelle. Par exemple, la religion. Cap faut chanter dans le choral, mettre rad blanc, et la trier. Il y a montré où ils ont remé. Non. C'est rat mort d'essouffler. Ils ont remé. Ils ne pas mener loin. Ils ne pas mener loin. Ils ne pas mener loin. Non. C'est là où ils ont rentré dans l'assemblée à Mando pour baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah bon? Pour dire, ah, m'de baptiser déjà, autant de batailles à péter de la lague et vérité. L'autre de rentrer dans l'assemblée, yo, enseigne selon les normes de la Bible. C'est ça, la parole là. C'est laisse un bon pasteur. C'est laisse un homme de Dieu qui doit vérité. L'on a salté, l'on a salté. Il pas peur visage ou pour ti sort bali ti veste c'est grimace ça yoyé mais pour mon pasteur a chercher veste appuyer la fidèle pour dire la vérité même bon paquet de monde qui même un paquet de monde mais moi youn comprendre l'autre pour dire clairement sous dans saleté
c'est pour l'esprit à révéler dans saleté et pour quitter saleté à et pour marcher avec le Seigneur. Alléluia, c'est ça. Maintenant, le Seigneur, Pierre dit non, ça pas doit arriver, m'a quoi le Seigneur, bon Dieu d'accord, bagay sa yo, etc. Verset 23. Et puis Jésus-Christ qui Dieu, il est en roue affection, ça prend bonne affection. De bon, moun kap tolérer ou nan péché, tolérer ou nan saleté, tolérer ou nan sac pas bon, pareil, mais ou. De pour un pasteur toléré fidèle, il paraît même, c'est tout ça ou gagne la preuve, l'on parle en rien encore la voyou jeté. Il paraît même. C'est le monde qui dit vérité, il examine. Et on n'a pas qu'à dire vérité, pas qu'à parler vérité, à parole là. Oh! L'église là, chita, l'église a rassemblé. Femme à femme, tombé dans saleté, garçon à garçon, saleté à travers les États-Unis. Donc, pour pas gagner des hommes qui prêchaient l'évangile, yo chita manger pour mourir, et puis yo pas prêcher l'évangile. L'église a plein pédérastes la donne, et puis pas gagner monde qui a prêché l'évangile. L'église a plein lesbiennes la donne, et puis pas gagner monde qui a prêché l'évangile. L'église a plein divorcé, la donne, pas de monde qui a prêché l'évangile. Tout le monde a caressé bagay la. Oh, ma bonne vérité. Oui, pas de problème, ma montre comment pour gagner la vie éternelle là. Mais faut reconnaître ou non saleté. Ces paroles là, ça besoin reconnaître qu'on la donne pour dire oui, j'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux. Faut qu'à camper comme ça devant le Seigneur. Dieu pas blé, Dieu pas un problème pour faible, mais faut joindre sincérité dans cœur ou dans amour. Donc, et puis il dit Pierre, écoutez ça, il dit Pierre, Zami Pierre, il dit arrière de moi, Satan, est-ce que Jésus-Christ, c'est pas même Jésus-Christ là qui t'a traité Judas démon? S'il dit l'arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes, ça a de la chair. Ça veut dire, c'est même bagaille. Judas, pour jouer un rôle charnel. Même Jean avec Pierre qui joue un rôle charnel. Chers téléspectateurs, amis auditeurs, en avancé dans quelques textes, c'était planifié pour Judas vendre le Seigneur. Judas pas grand rien à rouer à ça qui passé, c'était planifié et planifié par Dieu pour Judas, c'est Judas pour vendre le Seigneur. Judas pas grand rien à rouer à ça. Son rôle il jouait. Mais en dépit de tout, Dieu a puni Judas pour complicité. Malgré ça, l'a puni. Dieu était juste, mais l'a sauvé dans nous gardons texte. Non, Zacharie, de quoi écouter Hébreux 13:8 ou dans l'école, ou l'école. Zacharie chapitre 11, verset 13. Prophétie, te getan dit, Judas, d'où evan, yon, qui parle Judas planifié par les enfants d'Israël, yon getan planifié combien kob? Peuple bon Dieu, yon getan planifié combien kob pour yon vendre Jésus? Ah, mais Israël pas sauvé tout. Les 144 000 pas sauvé. Zacharie chapitre 11, verset 12. Il est dit, je leur dis, dans tout chapitre là, je prends un verset.
Si vous le trouvez bon, verset 12, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Ancien Testament, prophète Esaïe, étant dit, c'est pour 30 pièces d'argent. Prophétie a été annoncée que Jésus-Christ pral vendre. Mais Judas pas connaît ça. C'est pas Judas pral mander, même j'a religion, c'est Judas mander. Non, Judas pas mander 30 pièces d'argent pour le vendre Seigneur. Il pas fait prix Seigneur. Écoutez. Allez dans Matthieu chapitre 26 qu'on y est. Tournez bibou, Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le verset 14 et 15. On a regardé pour nous, ouais, qui ça? Est-ce que c'est Judas qui vend Jésus? C'est pas Judas qui vend Jésus. C'est déjà planifié. C'est déjà prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament. C'est comme ça pour le passé. Verset 14. Matthieu, chapitre 26, verset 14. Alors, l'un des douze, à savoir l'apôtre Judas Iscariote, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Job, Judas, apôtre l'a commencé. Verset 15. Et il dit: que voulez-vous me donner? Ça veut dire, c'est pas lui demander prière. Mais il dit: que voulez-vous me donner? S'il pas dans le plan bon Dieu, yo qui doit tek nous banaliser ça, yo bal yon gren banane, yo bal yon plat manger et la trienne. Mais non, c'est planifié par Dieu dès avant la fondation du monde, c'est comme ça pour le passé. Judas dit: que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Si monsieur sacrificateur dit: bon, on met aller et pour mettre tout ma ba on poste. Mais si c'était qu'on s'allait planifier, qu'on s'allait faire. Si monsieur te dit, mette aller et m'a juste encouragé ou des moun qui remet encouragement et puis il dit qu'on ça mon chanson ou son grand homme, ça seulement. C'est qu'on s'allait faire. Mais c'est pas comme ça. Li planifié depuis dans l'éternité. Dans l'éternité, c'est pour le Seigneur vendre par les enfants d'Israël pour 30 pièces d'argent et c'est peuple encore qui a vendu. Mais non! Et ils lui payèrent, ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Ces messieurs qui ont choisi. C'est pas eux qui choisissent, non. Ça veut dire, c'est plein bon Dieu, selon le dessein de Dieu, mettez dans le cœur, je prophétie à te, relaté dans l'Ancien Testament, c'est même bagaille qui pour arriver. Ça veut dire, l'évangile de l'Ancien Testament, c'est l'évangile du Nouveau Testament. L'évangile du Nouveau Testament, c'est l'évangile de l'Ancien Testament. Ça veut dire, les hommes pas, mais ce n'est pas comprendre la Bible là. Donc, mais non, yo bay l'apôtre Judas 30 pièces d'argent. Qu'on y a tourné Bible là, Matthieu 27, pour nous confirmer ça, ça t'est déjà écrit dans l'Ancien Testament. Des milliers d'années, des centaines d'années avant l'apôtre Judas. Et c'est la religion à prendre note et à attendre. Sorti dans la religion, la religion ne va pas montrer rien. Je ne vais pas apprendre rien.
Matthieu 27, verset 9. C'est déjà écrit dans l'Ancien Testament. Alors bon, l'on passe un jour ou dans l'église aujourd'hui. Bon, ça va montrer. Bon, je demande aux gens qui sortent dans la religion, qui ça va montrer. Il va son jour, hein? Il va son jour pour grimer si elle chita son banc, faire l'école du dimanche, compter Bible. Et puis, ça seulement, pas grand rien, non, mes amis. Et puis, battre tambour, danser. Et puis. Bon, la Bible dit, sous pas qu'on est qui est Jésus-Christ, ou à mourir dans le péché. Bon, religion, pas quoi. Yo mourir dans le péché. Alors, mon pensée, ou mourir, observe mon Dieu. Amnale, n'a assemblé ça longtemps. Moi mettant des religions m'a assemblé à longtemps au lieu de chercher sauver la ville pour quitter bon Dieu sauver lui m'a assemblé à longtemps ton business li, ça le rapporte m ouvert 10 ans ba on assemblé l'argent ça le rapporte combien fois on met $10,000 dans enveloppe yo dit mais ça me faut cadeau des moun calé. Yo investi tout bagay yo. Bon, le yo wè zye yo ap ouvri avec l'évangile édition Hébreux 13, yo flanke yo de yo. Genye la dan yo ki investi pou achete building assemblée ya. Le building nan achete, le yo vin avec de, yap montre pou assemblée ya te ka chikampe sous la vérité, yo flanke yo de yo, moun ki te baye 10,000, moun ki te baye 5,000, gen moun ki baye 15,000, gen moun ki baye 20,000, gen moun ki baye 30,000, gen moun ki vann kay yo. On égaré. Pa gen vérité. Kouz yo commence à ouvrir flanke yo de yo nan assemblée. Ou pa ka sekwe ko. Yo meton pa kèt loi sou tête tout. De pou vin ou di avec pasteur. M'étendez édition Hébreux 13:8, moi quelques vérités là. De pour dire ça, yo marqué, yo fait, yo met un paquet FBI derrière pour faut fâcher d'ailleurs pour qu'on la parole, il y a faut fâcher facile, n'est pas de bagarre ou sont orgueilleux. L'évangile pour que personne aurait été orgueilleux, n'est pas de bagarre, faut fâcher. Et puis au fond, j'ai eu faut fâcher, faut aller. Bon paquet de FBI dans bagarre religion, yo mettez au la même. Depuis yon ou se kwe ko et puis yo voye l'autre la soupe yo passe a même déjà arrêté sur office li la suiv li konn sa k ap passe li voye yon ancien femme li yo et challenge ou et puis même côté yo pa ka arrêté encore. Toz ami ki text me li di oh nda remon palon l'autre comme nda parler. Paul dit, la goumé contre des bêtes à Éphèse, à Moun. Ma goumé comme des bêtes dans Redding. Ma goumé contre des bêtes à travers Mondlan. Cap tout busy Moun yo. Matthieu 27, verset 9. Nous allons regarder qui c'était prophétisé. C'était planifié, c'était dans le plan de Dieu pour Jésus-Christ et Van. Matthieu 27, verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Prophète Jérémie t'a annoncé ça, que vous pourrez vendre Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Des centaines d'années, l'apôtre Judas pour quand même là. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, virgule, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. En d'autres termes, Judas est un sauvé. C'était un saint. C'était un juste dans le royaume de Dieu. L'homme une pente tête li, ça c'est fruit complicité. Mais non. Édition Hébreux 13 prêcher moun que Dieu sauvé
li sauver net. Qu'on y a bam pour ton exhortation pour le finir qu'on y a. On prend 1 Corinthiens chapitre 5. Mon bon Dieu sauvé, li sauvé ou. Mais moi-même les bon Dieu sauvé ou, gon paquet moun ki prend ou libre. Le fait que édition Hébreux 13:8 enseigne moun ki bon Dieu sauvé le sauvé ou net, et puis ça yo fait yo même. Yo décidé al nan madame moun. Yo décidé al nan mari moun. Yo décidé la gè kò yo nan fornication, nan saleté. Donc nan dimanche matin, yo vin adorer parce que yo konnen yo sauvé. Pasteur a dit yo sauvé, pasteur a dit ils sont élus à cause pasteur assemblé a dû sauvé. Oui, c'est vrai. N'a prêché ça jusqu'à la fin. Mais qu'on y a, Dieu pas égaré. Dieu pas égaré. Pour Dieu t'a dit élu ou sauvé, même plus qu'on sauvé. Ou mettre prend 3, 4, 5 femmes, prend plaisir à gauche, à droite, fait sauver. Dieu t'a égaré en pile, mais Dieu pas égaré. Ça, Dieu fait. Il te connaît ça. La printemps, avant la quantité des élus, rentrer dans le pâturage. Pour rentrer dans le troupeau. Eh bien, Dieu installait des maladies incurables. À travers monde là pour le mettre en mise en garde maladie incurable li mettre au côté lui moi même qui a nous sous ça sida c'est mise en garde contre élu cancer c'est mise en garde contre élu ah bon ou t'es pensé me devine prêcher l'évangile pour venir faire des ordres. Ou vin fè sauvle, non. Na assemblé, nous prêchèl, mais nous prêchèl à condition que Dieu ba nous. Ah! Dieu pas égaré. Dieu a sauvé ou? Mais il y a des rigoises, rigoises, il y a plusieurs branches. Dieu ba nan rans avec moun li sauvé. De pou el sauvé ou? Gade, moun moun li sauvé, c'est moun qui prend plus précaution. Pour ne pas tomber. C'est religion qui vomit. Et puis retourner dans vomir. Ou pas comme ça. Et lui, ou pas comme ça. Et lui, ce sont des aigles. Ils ont volé en l'air, ils ont pas mangé saleté. Et lui, ils ont pas mangé saleté. Et lui, yo, c'est pas poule qui a gratté n'importe saleté. No way. Et lui, yo, c'est pour rester dans la conformité de la parole. Parce que pinga qui pour lui. Depuis où c'est sida. Sida pas existé pour pas rien. Sida existé pour élu. Moun qui électé, moun qui sauvé. Sida existe. Cancer existé. Pour moun qui électé, moun qui sauvé. Des maladies typhoïdes qui pas jamais guéri, li existé pour élu. Tu vois? Donc, de vous besoin de bon Dieu besoin passer couteau dans cour. Fais sauver. Non, l'aime prêcher nous sauver net là et puis Dieu met barème pour nous. Pour nous arranger corps. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5. Ou des aldi. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Nan mitan élio. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Bagay sale. Paul, patla. Et puis il a écrit l'église de Corinthe, il dit, vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté au milieu de nous. Il
Li di l'église de Corinth, on se ri na pri. Gen saleté dans mitan assemblée ya. On y est nous tomber dans l'affliction, dans le jeûne, c'est là où jeûner. C'est les gon frères, ils ont élu tomber. Et puis, ils salent l'église là. L'église sont bagay qui propre. L'église sont bagay qui propre. Messieurs, mercenaires, l'église sont bagay qui propre. Oui, c'est ça que fait pas qu'à faire l'évangile, édition Hébreux 13:8 là, parce que vous voulez rester dans la malpropreté. Paul dit, au lieu de rentrer dans l'affliction, dans le jeûne, pour nous retirer vacabond ça dans mitan nous. Et puis Paul déclarait, n'est qu'à prêcher l'évangile tant qu'on yo, yo gen autorité. Le plus souvent, yo dit autoritaire. Non, ça veut dire l'autorité de la parole. Si c'est pas l'évangile, m'a prêché, pas qu'à tant de bouche, m'a parlé en pile, parce que c'est l'évangile nous prêcher. Paul prend autorité. Il dit, pour moi, verset 3, absent de corps, mais présent d'esprit. Écoutez ça, il dit. J'ai, yo pare, mais Paul, parce que Paul a mettre l'ordre sous yo, Paul a demandé yo pour yo quitter péché saleté. C'est la fait, yo pare, mais Paul, femme, yo pare, mais Paul. Mesdames, yo, parce que y a Mario, y a l'autre nègre l'autre côté. Y a sale, y a souillé corps yo. Mais parce que Marie a tout pas dans l'évangile, soutenant l'évangile, c'est pour fiel ça a dépété. Il pas de droit vivre avant toujours. Alléluia! Qu'il en soit ainsi. Pas de menti dans l'évangile. C'est soit ça ou bien pas ça. Pas de menti dans le bagage bon Dieu. C'est parce que vous paquet de vagabond. Parce que dans vagabond. Pas de madame ou de présent bon Dieu en kion pour la vomi saleté dans la figure. Dans la même kaye là. Et puis c'est pas loin, pas en pile. Et puis pour fiel, il est toujours là. Toujours. Non, jamais. Parce que pas homme de Dieu. Il y a un pile là-dedans, yo. C'est parce que on radote tout. Et puis, yo prend nos madame, non, y a circulé à travers le monde, parce que yo pas clair. Y'a pas clair. L'homme vive. C'est pour yo faire l'autre confiance, et pour nous rester dans la parole la droite. Pas gâter surveiller, yo n'a pas surveillé l'autre. Mais l'onction, la présence de Dieu a surveillé, madame l'a surveillé Marie. Depuis, yo dans la vérité, l'a tranché dossier. C'est ça me connaît moi-même. C'est l'évangile pas m'en dit. C'est l'évangile Bible m'en dit. C'est parce que magouilleur à travers le monde là. Moun ka fait malpropreté. Yo tout de la malpropreté. Ça fait ça. Ça fait. Regardez. Pinga sa yo pas pour. Moun ka fait pas pour mercenaire. Yo pas gagné. Parce que yo pas sauvé. La Bible dit. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Écoutez dans le verset 4. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Messie, vous et mon esprit étaient assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tel homme soit livré à Satan. Comment ça signifie? Qu'elle continuait vivre dans la chair. La chair, c'est Satan. Qu'elle continue. Pour Sida, l'esprit Sida, l'esprit de la chair, il y aurait les Sida joints avec lui pour flotter en bataille. La Bible dit ça. Mais principe l'église, la Bible dit que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Est-ce qu'elle perdue? Non. Dieu te guette à sauver li dans l'église, li dans l'assemblée des saints. La Bible dit, afin que l'esprit, li parle dans l'enfer, tombe dans la fornication, pas qu'à vous dans l'enfer, mais sous sauvé, li capable, Dieu utilise sida, cancer comme correction. Et qu'on s'apprête au prêche au lit. Il dit, afin que l'esprit, soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ le Messie. Jeune garçon ça, il rentre dans fornication, dans saleté. Donc, c'est pas perdu, il perdu. Mais, corps, qui a possibilité, c'est pour la gémir l'hôpital.
Et docteur pas qu'à guérir ça. Laissez mes bon Dieu sous en bas pour aller. C'est ça que l'évangile. C'est ça que l'évangile. Ça fait dans l'évangile, édition Hébreux 13:8, il y a pas remel, les vini, il y a tout critère qui est possible sous édition Hébreux 13:8, sous assemblée, parce que assemblée clean la vie yo. La mettre l'ordre dans foyer comme une femme veut camper pour prêcher, une femme pour que mari le chita pour pas autorité spirituelle, la Bible dit non. Non. Il est pas perdu, la Bible dit qu'il afin que l'esprit soit sauvé. Son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. La Bible dit c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Les gens qui ont fait mal propreté dans l'assemblée, donc la gâté l'autre. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset, chapitre 15, verset, verset ça est important. Il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Yo green moon qui a fait mal propreté l'église, qui a quémé l'église là en otage. L'église a moun besoin délivré. M'a besoin mettre mais ouais dans assemblée écoutez bien, m'a besoin mettre main sur vous pour guérir non seul que chant. Parole là seulement. Ou doit guérir. Depuis l'église a pas de mal propreté, ou doit guérir. La Bible dit. Retirez-le dans mitan. Paul dit retirez-le. Et la Bible, verset 9, il dit, je vous ai écrit de ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. C'est sauvé, oui. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, mais avec les cupides aussi, les ravisseurs, les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Sortir dans le monde. Et ça fait, yo pas voulu prendre baptême non au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yo connaît depuis yo prend baptême non, gon gens pour yo marcher, gon gens pour yo habiller, gon gens pour yo vivre avec Marie yo. Yo pas entendre l'évangile ça. Parce que yo prend n'importe baptême, yo prend baptême catholique au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit a qui c'est baptême qui a mené à la perdition. Yo pas voulu prendre vrai baptême l'église là. Son moyen son moyen pour yon en saleté, pour yon pas dans la propreté. La Bible dit, verset 11, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, li frère, est débauché, cupide, idolâtre, outragé, ou ivrogne, ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Le youn fait des autres ça. Ça pour faire, c'est pour l'église la mettre à côté. Religion qui mettre moun à côté. Pasteur, son mercenaire, son voleur. Un voleur qui prend toute sa moun pour se li qui mettre moun à côté, qui mettre l'ordre selon la Bible dans l'église. Hein? Il n'y a pas qu'à mettre l'ordre. Il n'en prend 10, rassemble 10%, ça nous baille dans l'offrande, dans nous baille pour Seigneur. Ou qu'à mettre l'ordre dans la vie, moun boule servi bon Dieu. Si vous t'a mettre un moun campé, t'as toute femme, y'a un poisson dans l'église, ou fait un chef sous Mario, y'a calé Mario, soufflé tes Mario, j'en voulé. Ça veut dire, ou pas qu'à mettre l'ordre. Ça veut dire, soit mettre l'ordre. C'est yon baye dîme, c'est yon bon vers, c'est yon bon soulier. Bon ranseur. Qui pape cherche vérité. Un bon ranseur à travers le monde. Un bon ranseur dans les assemblées. Bon ranseur. Bon radoteur. Qui pape régler en rien de sérieux pour monde lent. C'est l'église, assemblée ça, qui mette plus corruption à travers le monde. Et puis, pas de monde qui vous prend la parole.
de pour parler, yo prêt pour lécher yo. Et qui ça ça fait si yo lécher yo? Yo te lécher Paul, yo te lécher tout apôtre yo, yo pas jamais fini bien. Jodi a des hommes besoin fini bien pour yo gen bon enterrement. La Bible dit pas manger qui yo mettez au de côté. Verset 12, il dit qu'ai-je en effet à juger ce dit dehors. N'est-ce pas ce du dedans que vous avez à juger? Verset 13. Pour ceux du dehors, moun ki poko, nan, dans l'assemblée des saints, qui te yo, c'est Dieu qui a jugé yo. Mais pour si la yo qui en dedans, c'est pour parole la juger yo. Voilà! Moun ki sauvé ou sauvé net, mais avec un pile, et barème, contre lui, l'ont sauvé. De pour ouest, si da pas existé pour païen, si da existé pour moun qui sauvé, l'ont quitté madame ou, et pour elle prendre l'autre femme. Well, qu'on y a, si da, Dieu délégué yon gendarme, si da, collé dans le corps. Et pas de docteur qui a guéri. C'est pour nous lier. Sida, c'est pour élu. Yo l'aime prêcher. Moun qui sauve, sauve. Pas de rien qui a retiré sa lue. Mais, de sida, de cancer, de la fièvre typhoïde, de tant et tant d'autres. T'es élu. Yon nan yo. Qui a prêché l'évangile. Mais lui orgueilleux. C'est ton prophète. Mais c'est orgueilleux. Et bien, on l'a le pré-machine. Pendant la traversée. Et puis, un accident. Tout le monde en vie. Fiel, ça a pété. L'aller. Dieu pas quitte. Et lui, a Dieu pas quitte, a balancé, ou a fait sauver. Et lui, il a contrôle, il a un maître qui a veillé, il a un papa. Et ça fait, ou pas besoin de peur pour yo, ou pas besoin de peur pour l'avenir, ou pas besoin de peur ça qui a privé. Alléluia. Ou pas besoin de peur qui a privé, moun qui est élu, moun qui est électé. Bon Dieu, pas jamais quitte dans des ordres à l'inette. Non! Dieu pas quitter ou faire ça. Moun ki gen oreille pou tande. Tande, m salue yon zami mwen Gougou et la Pejan Hugues, mon ami à moi. Donc yon salutation spéciale. M content parce que ou ap suivre édition 13 dat famille nan que le Seigneur capable béni ou. Donc c'est condition que mes amis de vieille date mwen, donc nous salutation. Chers téléspectateurs, comme mwen di ou, élu yo, Dieu a veillé sou yo, Dieu a gardé yo, Dieu a pran soin yo et Dieu a contrôlé yo. Yo pa ka faire n'importe bagay. L'on élu ou par ton côté. Ou pas bien suivre yo non? Si c'est élu yo, tu vas suivre yo. Yo gon mettre cap mener yo, gon mettre cap orienter yo. Pas besoin peur. Pas bien veiller yo. L'homme marié avec un élu, ou pas besoin peur yo. Gon mettre cap corriger yo. Yo pas laguer yo comme ça pour y faire n'importe bagage. Mais mercenaire qui doit faire ça ou vle, pas grand rien cap privé, pas rien yo. Pas rien, pas grand rien cap privé parce qu'il pas sauvé. Pas oublier. L'apôtre Judas Iscariote l'a sauvé, mais l'a puni pour sa complicité. À bon entendeur, salut, que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée, bonne semaine. Partagez vidéo à mes chers amis, chers téléspectateurs. Merci parce qu'on t'a suivi, merci parce qu'on t'attendait l'enseignement édition Hébreux 13. C'est ton plaisir. Bonsoir et bonsoir à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.